Bonjour, bienvenue à l'atelier néerlandais, je m'appelle Daniel Josselin. Je vais vous présenter aujourd'hui en visite virtuelle l'exposition If Buildings Were Landscape, ou bien Si les bâtiments étaient des paysages. Cette exposition se trouve entièrement virtuelle. On avait prévu de faire cette exposition ici à l'atelier néerlandais l'année prochaine. Originalement, cette expo était prévue en fait pour Delft, pour avril, mais malheureusement, l'ouverture n'a pas eu lieu parce que la faculté est fermée. L'exposition traite ma thèse qui s'appelle Landscape Structures in Architecture, qui est une recherche sur la théorie de l'architecture et comment les architectes, à la fin du dernier siècle, ont commencé à accepter et à adopter des concepts de paysage dans leur création architecturale. Dans cette thèse, j'étudie trois projets, dont un des projets est un projet du bureau OMA, de Rotterdam, de Remco Laas, qui a été créé en 1992 pour Paris, pour les bibliothèques de Jussieu, mais qui n'a pas été construit. Aussi, ce projet restait virtuel, mais avec les techniques aujourd'hui, on a pu présenter ces projets. Je vais vous prendre à travers la thèse et les trois projets que j'ai analysés dans une courte visite guidée à travers l'exposition virtuelle qu'on a faite. Qu'est-ce que c'est qu'une exposition virtuelle? C'est une maquette à l'ordinateur qu'on a créée avec des spécialistes depuis Delft aussi. Et vous pouvez expérimenter sur votre ordinateur ou bien avec des lunettes VR si vous en avez. Pour traverser cette exposition et comprendre toutes les images, toutes les maquettes, voir à l'intérieur aussi des bâtiments à travers les maquettes, comprendre des dessins, des films et des interviews. Et tout ça, ça va vous expliquer un peu plus proche la thèse et comment ces architectures fonctionnent qui auraient adapté des paysages. Regardez ici, dans la maquette, vous avez les trois parties principales de l'exposition. De ce côté-là, vous avez l'introduction de chaque projet. Au milieu, les trois projets sont expliqués chacun par des maquettes, par des films et par des conférences. Et de ce côté-là, on se pose la question, qu'est-ce que ça a comme influence sur l'architecture du futur, ce qu'on a trouvé dans l'architecture du passé récent. Donc ici, de ce côté-là, vous avez l'introduction sur la thèse et aussi sur l'exposition. Vous trouvez sur ces panneaux tous les descriptifs des trois projets. Et sur le premier panneau, vous trouvez l'introduction qui traite du paysage, alors, comme une architecture, comme une composition architecturale, avec la forme de base, la forme spatiale, la forme métaphorique et la forme du programme que j'explique ici dans ce panneau. Bien sûr, c'est une explication un peu plus longue que vous trouverez dans la thèse elle-même, que vous pouvez aussi trouver avec un lien qui se trouve en haut du livre là et qui est disponible entièrement en ligne sans charge. Le premier projet est le projet de la Cité de la Culture de Galicia, Santiago de Compostela, de Peter Eisenman, qui a été conçu en 1999 et construit jusqu'en 2015. Là aussi, j'ai fait une série de dessins dans les mêmes catégories que pour tous les projets et j'ai analysé donc l'architecture paysagère, comme je la trouve dans ce bâtiment. Là, vous voyez pour la forme de base, les différents rythmes, les différentes formes que l'architecte a employées, et comme je les ai redessinées et analysées pour mieux comprendre cette architecture. Après, dans la partie du milieu,
On peut voir Peter Eisenman lui-même expliquer son projet, accompagné de photos, de montages qu'on a fait quand on était sur le site. Ça, c'est une photo prise par Ariel Huber, comme toutes les autres photos de la thèse. Et ici, c'est une conférence de Peter Eisenman qui dure 90 minutes. On ne va pas écouter toute la soirée, mais qui explique ce projet à des étudiants du Berlage en 2010. Ça, c'est une partie très spéciale de cette analyse où j'ai fait une proposition d'un nouveau projet qu'on pourrait mettre au-dessus de l'opéra à Galicia qui n'était jamais construite en fait. Et c'est un projet pour une pépinière qui se trouverait sur ce site inachevé de l'opéra. Ce projet, je l'explique aussi de l'autre côté parce que ça fait aussi partie de la troisième partie de mon exposition où je fais des propositions pour le futur de l'architecture et comment on pourrait changer l'architecture peut-être pour mieux résoudre les problèmes du futur qu'on trouve. Donc ça c'est une proposition, une première pour cette pépinière à Galicia pour y élever des arbres et d'autres propositions, j'espère, suivront dans le cours de cette exposition. On va faire des ateliers avec différents architectes, paysagistes, urbanistes. Et dans ces ateliers, on va essayer de trouver d'autres réponses, à tirer en fait des questions que j'ai posées dans ma recherche pour changer l'architecture du futur. Ici au milieu encore, vous avez le deuxième projet. Là, on va monter de ce côté-là. Voilà. C'est le projet Jussieu de OMA, qui est un projet qui a été créé pour Paris en 1992. C'était un concours qu'ils ont gagné, mais quand même, le projet ne s'est jamais construit, donc la thèse traite ici d'un projet inachevé ou non construit, et quand même, qui c'est un projet très important dans l'histoire de l'architecture, qui est un peu l'initiation de cette phase où les architectes contemporains ont commencé à s'occuper beaucoup plus du paysage dans leur bâtiment. Moi, j'ai reconstruit cette architecture, donc j'ai fait ce que j'ai appelé une pro-construction, donc j'ai fait des images, comment cette architecture aurait pu être finie avec les moyens qu'à l'époque les architectes n'avaient pas encore, mais qu'aujourd'hui sont accessibles à tous les architectes comme moi. Et j'ai travaillé aussi avec Christophe Cornuaire, qui était un des architectes qui avait travaillé à l'époque sur ce projet, on a reconstruit ensemble. Ça, c'est une maquette originale. Bon, maintenant, elle est en digital, mais elle sera originale dans l'exposition qu'on va monter à Delft. Et ici, vous voyez une vue de l'intérieur que j'ai reconstruite moi aussi. Et vous voyez comment aurait été la bibliothèque et les vues qu'elle avait à l'extérieur ici avec la flèche de Notre-Dame qui se trouverait derrière cette vitre dans la bibliothèque des lettres dans les étages en dessus de ce bâtiment. Là, on va voir le troisième projet, qui est le Rolex Learning Center à Lausanne, des architectes Sejima et Nishizawa, qui s'appelle SANA, quand ils ensemble travaillent à l'étranger. Là aussi, j'ai mon analyse des quatre formes. On verra dans l'exposition réelle, une maquette réelle, qui a à peu près cette taille, maintenant on a représenté en digital aussi. Et à nouveau, il y a des photos qui ont été prises en fait dans l'ouverture de ce bâtiment en 2010. Une photo, là vous voyez très bien, que je crois comment ça s'insère dans le campus de Lausanne. Cette étrange bâtisse qui imite un parc ou un paysage.
Wim Wenders a fait une exposition aussi, lui, sur ce bâtiment, un film en 3D qu'on pourra montrer aussi dans les expositions réelles, mais malheureusement on ne peut pas vous le montrer ici en virtuel parce que ça serait une publication en ligne qu'il ne voulait pas. Mais quand même, vous avez maintenant une impression peut-être comment ça pourrait se passer si vous voyez Wenders avec les architectes sur le tournage. C'est pas un documentaire, c'est plutôt un film qui traite des possibilités que des bâtiments auraient pu avoir s'ils pourraient parler, dans son cas. Mais d'un moment aussi dans le film, il y a cette mention que en fait, ces bâtiments ont une expérience de paysage. Et dans le 3D, dans le virtuel, il peut très bien, je crois, donner cette impression, commencer de marcher à travers ce bâtiment. Ce film a été fait pour la Biennale de Venise aussi en 2010 et ils nous ont gentiment prêté ce film pour les expositions. Il y aura encore plus de photos bien sûr dans l'expo, toujours pris par Ariel Huber sur le site et on verra ici. Ça, c'est les crédits en fait qui a fait quoi. Mais ici, de ce côté-là, on verra la dernière partie de l'exposition qui traitera du futur de l'architecture. Donc, des questions que je me suis posées en finissant ma thèse, c'était qu'est-ce que ça signifie pour le futur de l'architecture, ces différentes catégories que j'ai trouvées. Et comment le paysage pourrait transformer l'architecture en quelque chose peut-être de plus durable pour le futur et traiter les problèmes qu'on a. Ça, on a discuté ce soir aussi dans notre visioconférence en ligne. La dernière chose que je voulais vous montrer, donc ici, à la sortie de l'exposition, vous trouvez tous les crédits, donc qui a fait quoi, toutes les références, tous les remerciements. Aussi les références scientifiques, bien sûr, de la thèse. Et là, on vous a mis, pour ceux qui sont curieux de la TU Delft, on vous a mis aussi une maquette de la faculté où se trouverait l'exposition, un petit vidéo que vous pouvez regarder aussi sur la fac pour tous ceux qui aimeraient peut-être étudier l'architecture, de voir comment ça se passe dans une faculté comme Delft. Là, le vidéo à l'introduction en anglais de 20 minutes, ça donnerait une introduction plus ample et complète de ma thèse que j'ai donnée lors de la soutenance en décembre. Et vous pouvez également la voir dans l'expo et la rejouer. Voilà, comme ça, on était à la fin de notre petite visite guidée. Merci beaucoup de votre attention. Ensuite, après, vous pouvez joindre ce lien que vous voyez maintenant ici et on pourra encore discuter un peu. Vous pouvez me poser des questions et on pourra discuter de vos impressions et sur cette exposition. Je me réjouis de vous voir bientôt sur notre serveur GoToMeeting en vidéoconférence.